l'automne qui débute avec l'équinoxe, qui, je vous le rappelle, tombe un 23 septembre, est une période de transition. Il fait un petit peu plus frais, mais on a encore la possibilité de réaliser de beaux jardins d'arrière-saison. Que vous possédiez ou non un jardin, peu importe, je vous propose de vous faire un petit plaisir végétal, rien qu'avec une jardinière de cette taille-là, et on va pouvoir faire quelque chose déjà de très, très bien. Alors attention, attention, dans le commerce, la plupart du temps, on vous vend des jardinières qui sont étanches. Alors on va faire l'exemple. Voilà, imaginez qu'il pleuve énormément cet automne. Eh bien, vous avez votre jardinière qui a l'eau stagnante au fond, et ça, ça s'appelle un mouroir à plantes. Donc, j'ai choisi un modèle qui était assez malin pour que l'eau puisse évidemment s'évacuer. Il n'est pas question qu'elle reste dans notre jardinière. Cette jardinière est munie ici donc d'un bouchon avec un gros trou d'évacuation pour le drainage. Je vais accentuer cette possibilité de drainage en faisant deux trous à la perceuse de manière à ce que l'on soit bien sûr que l'eau s'évacue. Et c'est très important. C'est très important parce que la résistance des plantes au froid, et nous allons petit à petit vers l'hiver, dépend du sol. Plus il est sec, et plus la plante résiste bien au froid. En revanche, dans une terre gorgée d'eau, la pourriture s'installe très vite et la plante est extrêmement sensible au gel. Maintenant que mes trous ont été réalisés, je vais mettre une couche drainante au fond de ma jardinière. Ça, c'est aussi très important. Ça va permettre à la fois de faire un tampon par rapport au terreau pour éviter qu'il sorte par les trous de drainage, mais ça va aussi éviter que ces trous de drainage se colmatent. Alors, on utilise principalement des billes d'argile expansées. Donc voilà. Environ 3 cm d'épaisseur. Et maintenant, passons au terreau. Attention, c'est extrêmement important, il faut utiliser un terreau de bonne qualité et aujourd'hui je vous propose d'utiliser un terreau qui est enrichi à la fois en engrais organique mais qui contient également ce que l'on appelle un rétenteur d'eau. Alors qu'est-ce qu'un rétenteur d'eau? Là ici il s'appelle grain d'eau, c'est un produit qui est très ancien. Le grain d'eau est sorti dans les années 1970, c'est un polymère, c'est-à-dire que c'est une substance artificielle mais qui a la capacité de pomper de l'eau jusqu'à environ 400 fois son propre volume. Donc elle va gonfler, 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 un peu comme une éponge, et puis petit à petit, elle restituera l'élément liquide à la plante. Donc nous sommes dans un produit qui a l'avantage de vous permettre d'oublier un peu l'arrosage, et notamment si vous faites un jardin d'extérieur sur un balcon qui ne reçoit pas directement l'eau de pluie. Et l'avantage, donc, c'est que vous allez aussi économiser l'équivalent de 3 arrosages sur 4. Donc, on peut oublier un petit peu les plantes, c'est extrêmement pratique. Alors, de quoi est composé ce terreau? Eh bien, nous allons le voir, c'est essentiellement des terreaux de tourbe. Alors, certains me disent, oui, mais la tourbe, c'est pas écologique. C'est pas vrai du tout. Les tourbières, aujourd'hui, sont exploité de façon justement très écologique. Une fois que l'on va avoir retiré la couche superficielle de tourbe blonde et creusé un petit peu pour exploiter la tourbe noire qui se situe en dessous, eh bien on va redonner vie à la tourbière. La tourbière c'est un milieu humide, un milieu dans lequel il y a énormément de vie. Il y a des oiseaux, il y a des plantes aquatiques, des plantes carnivores par exemple, et donc on va permettre la reconstitution de l'écosystème. Et pourquoi est-ce qu'on utilise de la tourbe pour les terreaux? Eh bien parce que ce sont des substances qui sont à la fois inertes, donc elles ne risquent pas de se décomposer, elles sont déjà fossilisées, et puis elles vont apporter à la fois le côté aéré, puisque une tourbe ne se compacte pas, hein, c'est quand même très 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 léger, c'est vraiment très fin. Même quand il y a une motte, regardez, hop, ça s'effrite facilement. Et puis derrière ça, bien entendu, il y a une bonne rétention en eau. Et n'oubliez pas, quand on achète un bon terreau, il doit être enrichi en engrais. Ici, il est enrichi en engrais organique, ce qui vous permet pendant 100 jours, de ne pas alimenter vos plantes. Mais pour que ce terreau ait quand même une consistance suffisante pour bien maintenir les plantes, eh bien, on a mis un peu d'argile. Donc c'est un produit tout à fait équilibré. Et maintenant, passons à la plantation. J'ai derrière moi deux cyclamens. Pour moi, le cyclamen, c'est vraiment la plante d'automne, et même d'hiver d'ailleurs, absolument parfaite. Il suffit
de poser la jardinière dans laquelle sont plantées les cyclamens sur une fenêtre un peu protégée et vous en avez vraiment pour tout l'hiver. Et puis il y a une autre plante qui est aussi une vedette d'automne, c'est la bruyère. Mais aujourd'hui, j'ai préféré vous présenter une autre bruyère. J'ai choisi une bruyère d'Irlande, d'Aboetia cantabrica. Regardez, les fleurs, elles font comme des petites vessies ou des petites clochettes. Je vais préférer planter ici, au milieu de mon jardin, la bruyère, que je vais encadrer de deux cyclamens, et puis nous terminerons peut-être, pour le printemps, par quelques bulbes. C'est le bon moment pour planter les bulbes. Là, j'ai de très beaux bulbes de jacinthe. J'avais 4 bulbes, je vais pouvoir les mettre là. Alors, chose importante, on plante les bulbes à deux fois la profondeur de leur épaisseur, c'est-à-dire là et là, donc pratiquement à cette profondeur-là. Pour bien planter un bulbe, rien ne vaut le plantoir à bulbes. C'est un emporte-pièce qui va me permettre de faire un trou assez profond. Voilà. Là, j'enfonce pratiquement entièrement. Je fais un quart de tour. Je vais donc extraire la terre, ce qui va me permettre de poser mon bulbe là, bien au fond. Vous voyez, la profondeur, elle est bonne. Et là, je vais secouer simplement la terre. Comme on a un terreau léger, eh bien, c'est très facile. Et maintenant, nous terminons par un bon arrosage. Les cyclamens détestent avoir les feuilles mouillées. Donc attention, on arrose qu'au pied. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardins, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com